Regarde la jolie scie là. Oh là là, mais. Que quelqu'un s'amuse à me courir après avec un drap dessus, franchement, avec ça, moi je fais un carnage. Interagir. Oh nom de Dieu. Bon, bah on a tous compris, ça va, ça fait un petit moment qu'on tourne. On va mettre le turbo un peu, parce que ce fut assez douloureux ce tournage en rond. Haha! Anodox. Mais tu me prends vraiment pour... hein? Je me suis pris le truc dans la gueule. Salut! Voilà, tu arrêtes. Tu arrêtes ton cirque. Ah bah là au moins je sais où je vais atterrir. C'est quoi ça? J'ai pas très très envie de savoir en fait. Alors là, je vais adopter une politique que certains vont peut-être éprouver, mais franchement, les années de malheur, je suis plus à ça près. Hein, donc, j'ai un maillet. J'ai des miroirs. Oh putain. Truelle magnifique. Ah, on m'a volé les chiottes. Quoi? Je peux descendre là? J'ai super envie d'y aller. Il me l'a posé. Je vérifie qu'il l'a pas balancé. Hein. Et on va donc aller faire un petit tour à l'étage. Puisque ce sera beaucoup plus sympa. Je me ferai bien cette horloge à la masse. Pas trop chaud les gars. Madame Chombier, faut arrêter. Allez, cours, Forest, cours. Ne regarde pas derrière, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien. On s'accroupit. Je ne sais plus. Je sais pas dans quoi je suis tombé, mais ça a l'air gluant et pas très agréable. Eh oui, Madame Chombier, il va falloir prendre l'escalier. Je voudrais pas que vous... Comment dire? Alors la bonne nouvelle, c'est que je me suis levé. La mauvaise, c'est que mon inventaire ne veut plus s'ouvrir. Oula. Toujours pas d'inventaire? Non. Des bougies. Des gens qui ont l'air bien heureux ici, qui attendent quelque chose, mais je veux pas savoir quoi.
Fais d'abord prendre ce briquet. C'est vraiment très important. Un effrayant poème. Alors, j'ai les deux faces d'une lune, une vision embrumée et une ombre coupable. Lune, nuage, ombre. On va retenir ça. Une manivelle. Il manque de manivelle. But why the manivelle is so cruel? Voilà, là je crois que j'ai bon. Et puis vous savez quoi, le troisième on va le faire au pif, mais il doit être à peu près au milieu je pense. Tous les motifs sont valables. On y voit mieux là, en aérant un petit peu, ça sentait l'enfermer. Et on va faire un petit topo de ce qui s'est passé là-bas dessous. Parce que c'est... Ça me rappelle la scène dans Alien. Minou, 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 minou. Il est où ce couillon de chat? Il y a un trou qui s'est ouvert. J'ai une énorme envie d'aller dans ce... truc. Qui est un peu buggé. Non? Ça va. Je suis heureux dans la maison. Ou je ne sais pas. D'accord, je suis vers la téloche. Ou je vais en profiter pour péter ce miroir. Ça me tente, je me retiens. Est-ce que je peux sauver? Yes. Regardez tout le temps la même, ça évitera de me mélanger les pinceaux. Et on va vite se péter ce miroir. Alors, faut que je trouve à nouveau une clé qui doit être planquée derrière un miroir, je présume. Et donc, va falloir que j'inspecte encore pour essayer de trouver cette clé ou du miroir. Du miroir ou cette clé.
C'est pas un miroir, ça? Si. J'y vois absolument que dalle, mais je sais que. Ah, je peux pas passer. Ça va être sport les amis, ça va être sport. Vous avez vu ça, cette souplesse? Et ce briquet qui me tend la fesse? Oh, viens avec moi toi. Alors, comme vous l'avez compris, j'ai ramassé une croix. J'ai bien l'intention de tenter un exorcisme en direct. Je peux t'emprunter ton. Bah oui, ça. Non? Vraiment? C'est dommage. Je te l'échange contre une croix. Bon, ce qu'on va faire, on va la poser cette croix parce qu'elle m'emmerde plus qu'autre chose, hein, on va dire les choses. Ah, cette interface. En plus, elle n'apparaît même pas dans mon inventaire, c'est ça qui est fondard. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire le saut de la foi. Oui, je suis contrarié, je veux me débarrasser de cette croix, elle m'énerve. Je suis retombé à un endroit funeste où j'ai perdu toutes mes affaires, enfin ma croix surtout. Et il va falloir que je repasse dans d'autres. Oh là là, faut tout que je me retartine. Alors cette fois, il y a une planche pour que je puisse passer au milieu. Non, c'est ma croix. Mais quelle connerie! Oh yes!
Oh merde, j'allais faire l'Alta Vista, bébé. Je suis déception totale. Les programmeurs ont pris le temps de se foutre de notre gueule, apparemment, j'ai l'impression. Ça doit casser, non? Youch! Non? Oh. Allons, allons. Alors, où suis-je? Ça faisait un moment que j'étais pas venu là. J'espère que ça va pas recommencer pour ce passage. Alors, mon inventaire, j'en suis où? On verra en haut. Hein. Est-ce que je spoil? Bah oui, je suis déjà venu du coup là. Avant que le bug ne se déclenche. Ça y est, j'ai mon marteau, c'est la bonne nouvelle. Et du coup, ben. Je suis venu ici et j'ai vu les différentes merdouilles qu'il y avait à voir. Mais j'ai surtout vu qu'il y avait une espèce de compas derrière une fenêtre. Genre cette fenêtre. Là, je m'approche plus parce que c'est là que ça a bugué et que ça m'a coincé dans un mur. Oui, carrément. Interagir. Pas moyen de l'ouvrir, à moins d'avoir le bon outil. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai dans les mains? Et qu'est-ce que c'est qu'il y a sur le rebord? Oh, une sorte de compas. Une fenêtre. Une masse. Que croyez-vous qu'il allait se passer? Bah oui. Le problème, c'est que cette année, les fenêtres, elles sont incassables, quoi.
Bienvenue dans la blague du mec qui s'est coincé dans l'endroit dont tu ne peux plus partir, tête de... Et donc il se vengea sur l'arbre et le décor, qui, sur cette fois, n'avait vraiment pas prévu qu'un joueur vienne ici. Et un petit clipping arrière qui fait que, oui, ça me confirme que les programmeurs n'avaient pas trop prévu qu'une andouille viendrait s'égarer là. Je crois que je vais être bon pour recharger une sauvegarde.